me voir et rester à terre. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Que la lumière soit à tous et à toutes qui nous suivaient de partout dans notre mission. Que la lumière soit. Je bénis le Mermas, je bénis Pasteur Johanna, je bénis Didier Kumba, je bénis Pasteur Nono, je bénis Tabitha, je bénis tout le monde qui arrivait. Essayez quand même de donner vos offrandes en partageant cette émission. Nous sommes bénis de nous retrouver encore vers le milieu de la soirée, bien aimé, à cette émission. Que la lumière soit pour ceux qui traversent la soirée et d'autres traversent la journée, peut-être d'autres la nuit. Et vous êtes bénis quand même d'être avec nous. Mais en plus, aujourd'hui, nous avons une grande surprise, bien aimé. Je pense que certains ne me connaissent pas dans le domaine de chant, mais Dieu nous a fait grâce. Je vous dis que nous serons bénis. Je dis à tout le monde, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse. Vous êtes dans une bonne adresse. C'est la bonne adresse et c'est l'émission que la lumière soit, bien aimé. L'émission du Saint-Évangile, l'émission de l'Évangile de l'équilibre. Cet Évangile de l'équilibre, vous connaissez, c'est la spiritualité et l'intelligence. Et c'est donné par l'hôtelier, l'homme sans nom que nous appelons tous, bien aimé, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous dirige ici. C'est lui, l'homme de la troisième dispensation. C'est son temps que nous traversons. C'est lui qui partage et qui enseigne dans cette émission que la lumière soit. Yuna, mon âme, que la lumière soit avec toi, Berger Henri, que tout le monde soit béni. Bien aimé, je suis ravi de vous voir tous nombreux, de vous voir aussi mouvoir, bouger, en train de partager, de vangéliser avec l'homme sanon, de donner la possibilité à bien nombre de personnes de tous les quatre coins du monde de manger Jésus. Ici, nous mangeons Jésus, vous savez, bien aimé, nous mangeons Jésus à l'agonie. Ici, nous mangeons Jésus sérieusement. Je dis, nous mangeons tout de Jésus, les orteils, nous mangeons les doigts, nous mangeons tout ce qui est important de Jésus bien-aimé, donc tout, et nous ne jetons rien parce que c'est comme ça. Nous avions un bon sujet aujourd'hui que nous allons parler, et ce bon sujet sera mélangé avec un nouveau clip du Bishop Papinkomo. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce par l'homme sans nom au travers de moi, il arrive à composer certaines chansons, et cette grâce aussi qui m'est arrivée depuis ma jeunesse, Dieu me fait grâce à composer, comme la chanson que nous allons écouter tout à l'heure là. Imaginez, c'est une chanson que j'avais encore moi, bien-aimé, moins de 20 ans. Moins de 20 ans, et c'était même lorsque je voulais rentrer dans le ministère. Et l'une des grandes tantes, c'est que la tante à ma mère, et que nous, communément en Afrique, on appelle toujours mamie, et tout ça, et qui ne voulait même pas que je puisse me donner à ces choses. Du moment où mon pasteur me responsabilisait au service de la parole, de l'évangile, bien-aimé, parce que j'avais encore moins de 20 ans, et elle n'était pas du tout contente. Elle me dira que tu es encore jeune, il fallait d'abord savourer la vie. Après, tu pourrais te donner à ces choses quand tu seras vieux. Alors, en sortant de chez elle, Dieu, et avec ses grands soucis de voir que des personnes qui pouvaient me faire avancer à aimer Dieu, à servir Dieu, et ces personnes me demandent encore des jours de la vie, des jours de la vie dans les mauvais sens, bien aimé. Mais alors, et l'Esprit de l'Éternel qui m'est arrivé m'a poussé comme en marchant, en chantant. Et je chantais, et qu'on sort, et cette chanson, dans un temps, je disais, j'allais le faire sortir, et après j'avais dit non, je laisserai à mes enfants. Mais là, à l'an 2016, et je pense l'an 2016, ou vers fin 2015, Dieu m'a convainc, me dit, fils, tu vas commencer à faire sortir les albums. J'ai tellement beaucoup de chansons que l'homme sans nom m'a donné. Bien aimé, et là, nous allons vous flasher simplement un clip aujourd'hui, ces clips-là. Bien aimé, partagez-les parce que bientôt, l'album sera dans les bacs. Bien aimé, vous allez vous tous, waouh, mais parce que le Saint-Évangile, ici, que c'est l'homme sans nom qui chante. Vous sentrez vous-même que l'homme sans nom chante, mais vous allez vous poser des questions comme certains m'ont posé la question. Tu étais tout jeune, d'où venait cette inspiration? J'ai dit, mais écoutez, l'homme sans nom n'a pas d'âge, bien aimé.
Moi, j'ai l'âge peut-être parce que j'ai le matériel avec moi, le corps, mais l'homme sans nom n'a pas d'âge, bien-aimé. Et voilà pourquoi il m'a inspiré. Bien-aimé, c'est une chanson très, 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 très bien, très, très bien. Moi, je vous dirais, il faut vraiment bien auditionner, bien écouter, et Dieu vous bénira. Et après, nous allons nous plonger dans notre sujet aujourd'hui, qui a peur d'échouer, qui a peur d'échouer. Et à la fin, je vais vous faire encore du bien. À la fin, nous allons clôturer toujours aussi avec quoi? Ces nouveaux clips du Bishop Papinkoum. Mais je pense que déjà certaines personnes se posent la question, mais et c'est quoi les thèmes? Je vous ai dit, les thèmes, nous allons parler, qui a peur d'échouer? Qui a peur d'échouer? Vous savez, bien aimé, le chèque, ça fait beaucoup peur. On va le savoir tout à l'heure, le chèque fait peur. Alors, est-ce qu'il faut éviter les échecs? Nous allons comprendre ça tout à l'heure là. S'il faut éviter les échecs ou pas, ou continuer, et bien aimé, alors, et quand on continue, c'est qu'on doit s'entendre des échecs. Et comment faire? Est-ce que les échecs sont évitables ou pas? Quel genre d'échecs que vous parlez? Et nous allons savoir ça aujourd'hui. Qui a peur d'échouer? Et quand quelqu'un échoue, bien aimé, ça devient aussi quoi? Une histoire de gens, une moquerie, un jugement, bien aimé, Père Très Saint, une réjouissance pour ceux-là et qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, et ceux qui ne sont pas avec toi. C'est ainsi que Jésus disait une parole de la Bible, dans le livre des évangiles, bien aimé, parce qu'ici, vous savez que c'est l'homme sans nom qui parle, et Jésus disait que non, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et comment contre lui? Parce que ce sont des gens qui vont s'opposer aussi de beaucoup de choses de qui? De Jésus. Bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse, c'est parce que sur tous ceux-là qui partagent, bien-aimés, on va savoir cela. Et que, comme il y a un langage français qui dit quoi? Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres, bien-aimés. Et tout ça, ça vient à quel moment? Et quand les uns échouent et les autres se réjouissent, bien-aimés. Alors, avoir peur, qui a peur quoi? D'échouer. Bien-aimé, je sais que tu vis avec cette phobie des choses, tu vis avec cette phobie et tu as peur tellement d'échouer et nous saurons comment faire pour éviter aussi d'échouer. Et la moindre chose à faire pour ne pas échouer, je vous le dirai tout à l'heure là. Bien-aimé, c'est très très important. Mais j'aimerais nous laisser un peu, quelques minutes, au moins 6 minutes, bien-aimé, dites aux autres, prenez même le téléphone, appelez les gens, dites-les, on ne savait pas que le bishop, dans sa bouche, l'homme sans nom s'y chante. Nous pensons que c'est mal homme sans nom parle. Bien aimé, le Saint-Évangile, même dans la chanson, ici, c'est Jésus, parce que nous sommes le centre de toutes choses, c'est Jésus. Alors, le thème de cette chanson, et que nous allons écouter avant que nous puissions manger Jésus, dans notre thème d'aujourd'hui, qui a peur d'échouer, bien aimé, la chanson, ça s'intitule Sala Ozonga. Et c'est que le titre de cet album, c'est le retour, Sala Ozonga. Qui on demande à lui de les retourner? On dit, fais vite, retourne, reviens. On dit à Jésus, viens. Mais qui là qu'on dit, viens? C'est Jésus. Donc, c'est ça le Saint-Évangile. Le Saint-Évangile veut que Jésus revienne. Parce que la Bible dit quoi? Vous devez dire dans le livre de Matthieu, la Bible dit que vous devez dire, quand vous priez, dites que ton règne quoi? Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la Bible nous montre à la fin de la Bible que non, nous devons dire quoi? Viens. Qui doit venir? Ce Jésus. Bien-aimé, rentrez avec moi en écoutant ces beaux waouh morceaux de ce clip. Que le Seigneur vous bénisse et je suis à vous dans quelques minutes. Après ces bons clips. À tout à l'heure. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Maton, bakoutou, matanai. Ponani, nyango, nana, koma, poye. Naipe, nana, ibisi, mango. Nana, koma, poye. Ponai, souye. Mango, makono, bila, kanai. Koma, ma, be, pe, obete, la. Naipe naibisi mangu Yusu uyuwe ipona bikae Mangu makura bila kuna yusalina nanenge Esengeno sepila Sima neyi tango yukukula Kusale la zambi na yopapi Naipe naibisi
si bango, nous sommes en Yesu Masia et Manite. Soki a zongi leloyo, na kosuka wapi et mandeko nanga.
Ça, c'était notre nouveau clip, bien-aimé. Je pense que beaucoup ont aimé cela, bien-aimé. Je vous ferai encore un très beau cadeau. Vous allez encore suivre cela à la fin de cette émission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez le droit de partager cela. Vous pouvez partager déjà. Et si vous voulez bien le suivre, bientôt, ça sera sur YouTube. Et bien-aimé, aussi, très bientôt, ça sera dans les CD. Nous avions des chansons en français, mais du style occidental aussi. Et bien-aimé, et nous avions des chansons à Lingala, et que vous allez aimer des titres comme Yahweh Nangai, certains de mes enfants connaissent ça, et nous avions des titres comme Louange et gloire au Seigneur. Bien aimé, vous allez suivre cela. Alors, nous retournons quand même à notre émission. Merci à tous ces gens et qui sont vraiment contents, et faites arriver ces messages, ces clips à tout le monde pour que les autres aussi puissent aimer comme toi, bien aimé. Alors, notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, nous voulons manger encore. Bien aimé, là c'était simplement l'apéritif que je vous ai donné. C'était l'apéritif pour nous donner un peu et l'envie de manger, l'appétit, bien aimé. Tu as pris quand même l'apéritif que c'était dans, au travers de cette chanson. Mais là, nous voulons manger. Je pense que tout le monde a faim. Alléluia. Que la lumière soit avec tous et toutes et qui sont avec nous. Bien aimé, je dis bonjour à tout le monde et qui traverse les jours. Je dis bonsoir aux ceux-là qui traversent les soirs. Et je dis shalom aux amoureux et de Jésus aussi. Et même à tout le monde, bien aimé. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur vous arrive et soit avec vous dans n'importe quel domaine. Et que la lumière soit. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui a peur d'échouer. Bien aimé, c'est comme je disais tout à l'heure. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens vivent avec cette phobie des choses. J'ai dit cette phobie et la peur d'échouer. Bien aimé, l'échec, c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas. Et que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie et dans notre domaine, bien aimé, dans la vie, dans l'avenir, chacun qui envisage, je pense que tout être qui naît, tout être qui grandit, envisage un avenir très excellent, un avenir meilleur. Et tu entendras quelqu'un qui dit quoi? Et moi, je fais ces choses pour mon avenir. Seigneur, quand les gens prient, ils disent quoi? Je prie pour mon avenir. Je voudrais que mon avenir soit si meilleur. Je voudrais que mon avenir soit si formidable. Et tout le monde le dit, bien aimé. Et quand les parents aussi prennent soin et se chargent des enfants, les parents prennent soin et se chargent des enfants avec le but de leur dire que non, et c'est pour votre avenir. Je souhaite que vous ayez un avenir très formidable, très meilleur. Et tout le monde veut un avenir exceptionnel, bien aimé. Et nous le voyons aussi à tous et à toutes. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Alors, je pense que personne qui vit sur cette terre des hommes et ne voudra pas vivre heureux et avoir une vie de jouissance et qui lui permet d'avancer. Bien aimé, même dans nos ministères, même nous qui sommes hommes de Dieu dans le ministère, nous envisageons toujours, bien aimé, quoi, l'excellence. Et même nos prêches, bien aimé, tu attendras que le prédicateur dire, et quoi, la médiocrité n'est pas de Dieu. Et nous présentons aux gens ce sens, bien aimé, de la prospérité. Nous montrons la prospérité. Il y a tellement de versets, nous appuyons, et bien aimé, et il y a aussi, bien aimé, des enseignements sur la bénédiction, et nous montrons aux gens que non, Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur. Une fois aussi, je vous ai même dit que la Bible dit quoi? Dieu a, les choses glorieuses ont été dites sur nous, Dieu a prononcé des paroles formidables, les formes merveilleuses pour nous, bien aimé, parce que Dieu veut que nous soyons prospères et que nous soyons quoi? Bénis. Alors, de même, bien aimé, et que l'échec, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas, et nous n'acceptons pas. Et bien aimé, alors, quelle est la meilleure façon d'éviter l'échec? Parce que je vous nous serai bref parce qu'on doit retourner aussi encore à notre clip, bien aimé. Et mais nous parlons d'abord, bien aimé. Et quelle est la meilleure façon de ne pas échouer? Ça, il faut que je vous le dise. Et aussi, les échecs, c'est quoi, bien aimé? Bien aimé, tu sais que dans la vie, commencer quelque chose, c'est facile. Tout le monde peut commencer une affaire. Mais recommencer, cela demande des hommes forts, demande des hommes déterminés, des personnes dynamiques, des personnes et qui ont un caractère de leader. Et ceux qui sont vraiment de vrais leaders, ce sont de telles personnes qui sont prêtes, bien aimées, à recommencer une affaire et qui n'ont pas pu, bien aimé, quoi, au commencement, une fois réussir à cela. Ce mot recommencer, bien aimé, il y a la recommencement, le recommencement. Les recommencements existent pour ceux-là qui ont commencé une fois et qui devaient encore répéter la même chose. Bien aimé, il y a la reconstruction. C'est qu'il y a une construction avant et on peut aussi reconstruire. Bien aimé, il y a le rétablissement. C'est qu'il y a eu un établissement et maintenant il faut quoi? Recommencer.
renoncer. Bien-aimé, il y a répondre, bien-aimé. C'est qu'il y a eu des choses que tu avais pris et maintenant, et tu dois encore les répondre, c'est que tu as perdu à un moment. Bien-aimé, et est-ce qu'il y a refaire, c'est que tu as eu des choses qu'il avait fait et que tu dois quoi? Refaire encore, bien-aimé. La vie est faite par l'éternel aussi quoi? Recommencement des choses. C'est ce que la Bible même nous dira dans le livre Ecclésiaste, parce que de cet évangile, bien-aimé, nous voulons tout appuyer. Dans le Saint-Évangile, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? La Bible nous dit quoi? Il y a de ce qui existe sous le soleil et n'a pas existé avant. Tout ce que vous voyez a déjà existé. Bien-aimé, tout ce que nous voyons, même le vêtement, le changement des choses, ce sont des choses qui ont déjà quoi? Existé. Bien-aimé, ta souffrance, ce n'est pas une nouvelle souffrance, quelque part. Même Pierre nous dit que non, la même souffrance que vous en direz, quelque part dans le monde, il y a des gens aussi qui endurent cela. Bien-aimé, nous devons savoir que non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelqu'un attend aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, nous vivons dans un monde, quoi, de l'éternel, quoi, recommencement. On doit recommencer. Mais bien aimé, recommencer quelque chose, c'est la demande vraiment, le courage, bien aimé, et d'une personne. Le courage d'une personne. Je dis, on peut tous commencer une affaire, mais on ne pourra pas tous recommencer cette affaire au moment où l'affaire n'avance pas. Bien aimé, je vis beaucoup d'hommes de Dieu à cause, bien aimé, de ne pas avoir, de ne pas accepter les échecs. Certains ont fait refuge, bien aimé, chez les diables aujourd'hui. Bien aimé, je vous ai déjà enseigné une fois ici en disant une parole très capitale. Quelle est la parole? Je vous ai dit que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, quand vous verrez l'abomination et la désolation s'installer dans le lieu saint, comprenez à quel temps que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes au temps, au bien-aimé, où, bien-aimé, nous recommençons des choses. Nous recommençons des choses. Bien-aimés, lisons un peu pour voir avec moi que le recommencement, c'est la chose la plus difficile. Je salue tout le monde qui est arrivé, les Solange Pelé, les prophètes Elie Kwame, et je salue Lucie Soutila, Maïka, qui a peur de chouer. Bien-aimés, il y a des gens qui sont tout autour de nous qui ont peur de chouer et qui ont tellement peur de chouer. Il y a quelqu'un qui fait son histoire et qui a peur de chouer. Bien-aimés, en force d'avoir peur de chouer, et cette chose arrive à nous hanter. Bien-aimés, quand quelqu'un vit avec trop de peur de ne pas jouer, échouer, cette personne échoue. Je vous dis vrai, cette personne échoue. Parce que tu es hanté par cet esprit de ne pas échouer, de ne pas échouer. Tu risques, bien aimé, d'échouer encore et encore. Mais on saura et qui a peur d'échouer. Et quelqu'un me dira, mais tout le monde a peur d'échouer. Même toi, les pasteurs, tu as peur d'échouer. Maïka, que la lumière soit avec toi aussi. Celui-ci, celui-là, que la lumière soit avec toi. Tous ces gens qui arrivaient, que la lumière soit avec vous. Bien aimé, on a peur d'échouer. Même dans le domaine du mariage, on a peur d'échouer. Il y a des gens et qui ont peur de recommencer une nouvelle histoire d'amour, bien-aimé. Une histoire amoureuse, les gens ne veulent plus. Parce qu'une fois, j'étais déçu d'un homme, j'étais déçu d'une femme. Bien-aimé, dans le Saint-Évangile, nous prêchons la spiritualité et l'intelligence. N'oublions pas, vous êtes dans une bonne adresse, l'intelligence et beaucoup d'autres choses. Et qui se passe ici? Nous touchons toutes choses. Écoutez, j'ai dit que non, il n'y a rien de nouveau. Parce que la même souffrance, le même problème que tu connais, quelque part dans le monde se passe. Quelqu'un m'a dit, mais bon, bah, écoutez, je vais vous donner avec, je sais pas, ici, il y a la lecture. Et il y a quoi? Les explications. Je vous ai dit dans le Saint-Évangile, nous n'enseignons pas les choses que vous aimez entendre, mais nous enseignons les choses que vous devez entendre. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Non les choses que vous aimez entendre, mais les choses que vous devez entendre. Parce que je suis là aujourd'hui pour réveiller la foi d'une personne, stimuler quelqu'un, motiver cette personne et qui a peur d'échouer. Et qui y a tellement peur, parce qu'il vit dans cette phobie des choses et qui craint les échecs. Bien aimé, nous sommes dans les livres de 1 Pierre, chapitre combien? Chapitre, bien aimé, 5, et le verset, prenons le verset 8 à 9. Le verset 8 à 9. Quelqu'un nous note cela pour permettre à beaucoup de gens de pouvoir, quoi, et lire même ceux qui vont arriver après nous. 1 Pierre, 5, verset 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, quoi? On dit votre adversaire, le diable, rôde. On a dit votre adversaire, le diable, fait quoi? Rôde, Frédéric Emmanuel, que la lumière soit avec toi aussi. On dit votre adversaire, le diable, rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. On dit cherchant qui quoi? Dévorer. Il dit résistez-lui ferme. On dit résistez-lui. Ferme en la foi. Il dit, et sachant que, la Bible dit, et sachant que, la Bible dit, sachant que, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi quoi dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi quoi dans le monde. Pasteur,
ce que tu endures dans ton église et cela n'est pas nouveau chez toi. Quelque part, il y a quelqu'un qui endure cela. Madame, monsieur, frère, sœur, ce que vous endurez dans vos foyers, cela n'est pas nouveau. Quelque part, il y a des gens qui endurent. Mais ce qui est bizarre, parmi tant de ceux qui endurent les mêmes choses que toi tu endures, il y en a de ceux-là qui savent résister à cela et qui demeurent sobres, qui demeurent résistants et fermes à la foi et pour ne pas céder à qui? À l'adversaire ou à la peur de l'échec. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Qui a peur quoi? D'échouer. Beaucoup de gens vivent à cela. Bien-aimé, à force d'avoir peur d'échouer, bien-aimé, quelqu'un qui a peur d'échouer, cette personne n'est plus ambitieuse. Cette personne n'envisage plus quelque chose. Et la meilleure façon, je vais vous dire que non, pour ne pas échouer, bien-aimé, il faut quoi? Il faut simplement quoi? Et ne rien faire. Bien-aimé, ne rien faire. La plupart des cas, bien-aimé, les gens qui se moquent de nous et qui nous critiquent quand nous échouons, ce sont des gens et qui ne font rien du tout. Qui ne font rien du tout. Et ceux qui ne font rien du tout sont les premiers bien-aimés à être là simplement comme des spectateurs en train de juger simplement les erreurs des autres. Bien-aimés, quand quelqu'un échoue, vous devez comprendre directement que la personne qui échoue, cela témoigne que c'est une personne qui a au moins osé, c'est une personne qui travaille, c'est une personne qui veut l'évolution, c'est une personne qui veut avancer, c'est une personne qui veut changer la situation, c'est une personne qui veut atteindre un objectif, c'est une personne qui veut monter, c'est une personne qui veut valoriser l'histoire de l'humanité et c'est une personne qui veut impacter aussi son passage ici sur la terre. Bien-aimés, ceux qui n'échouent pas, ce sont des personnes qui ne font rien. Bien-aimés, les échecs sont faits pour les gens qui osent et qui travaillent et qui font quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un te dit que les échecs c'est pour les cons, mais moi je te dirais les échecs ne sont pas nécessairement pour les cons. Les échecs sont pour les gens qui travaillent et qui y envisagent aussi quoi? L'excellence. Bien-aimé, écoute bien, nous allons arriver dans un chapitre quand quelqu'un échoue, cette personne a beaucoup peur quoi? De recommencer la chose. Bien-aimé, si tu as échoué dans un domaine quelconque, je suis venu aujourd'hui simplement réveiller ta foi, te dire que non, recommence. Car ceux qui recommencent une affaire, ce sont des hommes plus forts que ceux qui commencent. Je vais vous surprendre à quelque chose, vous dire quelque chose peut-être qui peut choquer certains parmi nous. Bien aimé, une fois, j'ai été à un endroit, un de mes fils et d'autres personnes m'ont posé la question, me dit pasteur, moi, est-ce que toi quand tu grandissais, qui t'est conseillé étant qu'un homme de Dieu? Moi je dis j'avais mon pasteur et j'avais aussi certaines d'autres personnes aussi et qui étaient des amis de mon pasteur et d'autres aînés de la foi aussi, me servaient aussi quoi, à certains conseils. Il me dit, ah oui, hein, parce que nous, on doit faire attention, on doit plus chercher des personnes, quoi, et qui mènent une vie de sanctification, et des personnes qui n'ont pas de mauvais témoignages. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'aime bien que ceux qui me conseillent, ce sont des gens qui ont eu des problèmes dans la vie. Il me dit, oh, mais pasteur, mais s'ils ont eu des problèmes dans la vie, mais ce sont des gens qui portent, quoi, un mauvais témoignage. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'on va aller dans les livres d'Ecclésiaste, il n'avait pas non plus tort de dire cela, mais, or, lui ne savait pas pourquoi moi je le disais. Je vais vous le dire aujourd'hui, car le Saint-Évangile nous surprend à plusieurs sortes de messages, bien-aimé. Mais la prochaine fois, bien-aimé, nous allons parler sur un sujet terrible encore sur côté spiritualité et amener ça dans la révélation. Allons-y à des livres d'Ecclésiaste, bien-aimé. Faisons un peu quelques marches. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Dans le verset 1, la Bible dit quoi? Bonne réputation, bonne renommée, bien-aimé, vaut mieux que quoi? L'huile quoi? Parfumée. Donc, vous entendez cela. Une bonne réputation vaut mieux qu'une huile quoi? Parfumée. Oh, une bonne réputation vaut mieux. Et quand lui dit cela, et il me montre que non, pasteur, c'est qu'il faut s'approcher de ces gens qui ont de bonnes réputations. J'ai dit non, bien-aimé. Et si tu t'approches auprès des gens qui ont que des bonnes réputations, qui n'ont pas connu des choses, bien-aimé, demain, tu ne seras pas une personne très forte. Parce qu'ils ne savent pas comment ça fait mal quand quelqu'un échoue et comment quelqu'un qui a échoué doit se relever dans la vie. Je sais que dans cette émission, dans cet auditoire d'aujourd'hui, les gens qui me suivent, il y a des personnes qui sont des blessés de guerre ici. Il y a des gens et qui ont échoué dans leur mariage. Il y a des gens qui ont échoué dans un domaine quelconque et qui sont là les bras croisés et qui n'arrivent plus à recommencer quelque chose. Et de telles personnes vivent simplement avec des explications. Bien-aimé, je te dirai une chose. Tes excuses et tes explications ne changeront rien à ta destinée. Ne changeront rien à ton avenir. Et ce qui vont changer à ton avenir quelque chose, c'est le mouvement que tu es appelé à faire. Tu dois savoir que les échecs, ce sont quand tu
quel pied échoue. Les échecs sont l'ensemble composante, bien aimé, l'ensemble composante, quoi, de la réussite d'une personne. Quelqu'un ne me comprend pas. Il dit quoi? Comment il peut dire que les échecs, c'est un ensemble composant, et bien aimé, pour que ça, de la réussite d'une personne? Effectivement, bien aimé, à chaque fois que j'échoue, je deviens plus fort et je deviens plus mature et je deviens plus excellent. Bien aimé, les échecs sont faits pour les gens qui veulent travailler et qui veulent changer. Ceux qui ne font rien, bien aimé, ne peuvent pas échouer. Je ne fais rien, je ne pourrai pas quoi échouer. Allons-y dans un chapitre parce que tout ce que nous parlons, nous avions prévu avec cela dans le Saint-Évangile. J'ai dit, il y a la lecture et il y a quoi? Les explications. Vous êtes à moi et je suis à vous, bien aimé. Allons-y rapidement dans le livre de Luc, chapitre 5. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui arrivez dans cette émission, continuez à donner quoi? L'offrande. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons voir l'échec d'une personne, comment ça mène des justifications. Bien-aimés, et ceux qui se justifient tout le temps, ce sont des personnes et qui ont peur d'affronter les réalités de la vie et qui ne veulent pas avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, le monde et que tu vis, c'est le territoire que Dieu t'a donné pour pouvoir jouir et pour pouvoir marquer beaucoup de choses sur la terre. Bien-aimés, ton règne, il n'y a aucun autre endroit que le tonnerre t'a donné. Le ciel, Dieu ne t'a pas donné. Le ciel lui appartient. Nous, notre territoire de l'excellence, du succès, d'avancement, de changement, de l'impact, c'est la terre, bien-aimé. C'est ici que tu dois faire beaucoup de choses et bien-aimé, et ne croise pas les bras. Bien-aimé, dans ce monde, nous avions plusieurs sortes de gens. Il y a des gens, bien-aimé, et qui sont là simplement pour attendre ce qui va arriver, les choses qui vont arriver. Je répète, première catégorie de personnes qui vivent avec nous, c'est la catégorie des gens, bien-aimé, qui ne font rien, qui entendent simplement qu'un événement arrive pour qu'ils puissent quoi? Applaudir. Nous avions des gens qui sont là, même dans nos églises, même dans la société, pour applaudir. Ou pour simplement quoi? Critiquer. Deuxième catégorie des personnes, bien-aimées, les gens, bien-aimés, et qui sont là, qui attendent simplement qu'on fasse quelque chose aussi pour eux et pour qu'ils puissent quoi? S'introduire. Et troisième catégorie, c'est la catégorie des gens, bien-aimés, les gens qui provoquent des événements. Et Dieu a dit quoi? Ce sont des violents. Bien-aimés, je veux que dans l'histoire de l'humanité, que tu sois la personne qui doit provoquer un événement. Quel est cet événement? Je ne parle pas dans le sens négatif. Pour nous, les enfants de Dieu, nous parlons dans le sens quoi? Positif. Bien-aimé, tes échecs ne sont pas des échecs, mais ne sont que les transports qui te permettent quoi? À pouvoir faire un mouvement du point A pour atteindre quoi? Le point B. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Pasteur, toi qui me suis, je suis venu t'encourager, te dire que non, tu dois avancer. Je suis venu te dire quoi? Relève-toi. Tu dois recommencer. Les gens qui recommencent, ce sont des hommes forts. Ce sont des hommes capables. Écoute bien. Dans l'histoire de Luc chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible nous parle sur la pêche miraculeuse et que Jésus avait fait avec qui? Les apôtres. Écoute bien. La Bible dit, comme la foule les pressait, je vais lire avec vous à partir du verset 1. La Bible dit, comme la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu et qui se trouvait auprès du lac de Nazareth. La Bible dit, il vit au bord du lac deux petits quoi, des petites barques, d'où les pêcheurs étaient quoi, descendus pour laver leurs filets. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver quoi, on dit leurs filets. Il montant dans l'une de ses barques et qui était à Simon. Simon qui demain deviendra au nom de Pierre, et que vous le savez, Simon. Et il lui demanda de s'éloigner un peu des terres. La Bible dit, puis il s'assit et de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon Pierre, avance à nos quoi profondes. C'est qu'on demande à Pierre de continuer d'aller maintenant dans la profondeur. Bien aimé, vous devez savoir que la profondeur appelle une autre profondeur. Mais qui peut percer la profondeur? C'est celui qui n'a pas la peur de chouer. La peur de chouer, c'est le moyen par lequel cela empêche les gens d'évoluer et d'aller plus loin dans la vie. Bien aimé, je te dis, il faut accepter de bouger. Bien aimé, même si les gens se moquent de toi, tous ceux qui se moquent de toi, ce sont des vauriens, des gens qui ne font rien du tout dans la vie. Ceux qui ne font rien, et voilà pourquoi ils ne échouent pas. Moi, Bishop Apikoum, si les gens me disent que non, tu as échoué à telle chose, au moins, je fais quelque chose. Cela montre que je suis un travailleur. Ce sont les travailleurs qui rencontrent l'accident du travail. Et toi, tu rencontreras quel accident du travail pendant que tu ne fais rien du tout, bien-aimé. Et ce sont que des médecins et qui ont quoi? Les erreurs quoi? Médicales. Bien-aimé, c'est non, médicaux. Bien-aimé, c'est normal. Bien-aimé, et toi, tu connaîtras ces erreurs comment? Est-ce que tu comprends ce que je dis cela? Est-ce que ce n'est qu'un mécanicien qui peut
fais quoi, l'erreur quoi dans l'arrangement de ta voiture. Et toi, tu ne fais rien. Et voilà pourquoi tu ne peux pas échouer. Écoute, la Bible dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Écoute maintenant la peur quoi d'échouer, et cela nous pousse à ne plus quoi faire quelque chose dans la vie. Mais bien aimé, je suis venu te réveiller, te dire que non, tu dois recommencer. Il y a quelque part Dieu t'attend et tu dois avancer à la direction que Dieu t'attend. Écoute bien cela. La Bible dit quoi? Simon Pierre lui répondit, maître, nous avions travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé quoi? Toute la nuit. Sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un te dit que nous avions travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais sur ta parole, cela montre que Pierre ne croyait plus au recommencement des choses. Il ne voulait plus recommencer à faire la pêche parce qu'il a compris que non, il ne peut plus quoi attraper les poissons. Il a dit que nous avions travaillé toute la nuit. Bien-aimé, écoute bien. Il a dit nous avions travaillé toute la nuit. Oh, cela. Pourquoi? Parce que la nuit, on a la facilité d'attraper quoi? Les poissons. Un autre jour, je viendrai avec ça dans l'explication autre. Là, nous allons dévorer. Nous allons dévorer. Ici, je nous parle de la manière intellectuelle et pour nous aider quoi à comprendre quelque chose. Bien-aimé, il dit dans sa parole, il dit quoi? Nous avions travaillé toute la nuit sans rien quoi gagner. Quel échec que Pierre avait connu avec ses autres. Et puisqu'il a connu cet échec, maintenant il devient quelqu'un qui explique. Bien-aimé, ne suis jamais les conseils de celui qui a échoué et qui ne veut pas recommencer. Mais suis au moins le conseil de la personne et qui a échoué et qui s'est relevé malgré ses erreurs. Je dis à cette personne, quelqu'un voudra savoir comment j'avais répondu à la personne qui m'avait posé cette question. Comment, pasteur, veux-tu suivre les conseils des gens et qui ont échoué dans la vie? Je dis simplement, ceux qui ont échoué, c'est et qui me donnera une bonne réputation. Personne ne comprend. Ceux qui ont échoué, si mes conseils, c'est eux et qui me donneront quoi? Une bonne réputation. Parce que c'est eux qui connaissent comment l'échec fait et comment il faut se relever, comment il faut l'éviter et comment il faut avancer et comment il faut persévérer. C'est ainsi que dans le livre des bien-aimés, dans le livre des Psaumes chapitre 23, bien-aimés, allez-y lire, je ne vais pas ouvrir avec vous. Vous connaissez Psaume chapitre 23, il commence à lire. David dit une parole, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Une fois, je vous ai expliqué ici que l'ombre n'est pas la réalité. La réalité n'est pas l'ombre. Parce que l'ombre ne tue pas. L'ombre, ce n'est pas du vrai. Bien-aimé, et tout ce que tu vis dans ta vie n'est que l'ombre, n'est pas une réalité. Et cela vient simplement pour te faire peur. Mais pourtant, dans ta vie, Dieu a déjà déposé des choses. Bien-aimé, je vais retenir une chose et que tu dois retenir. La plus grande des promesses que Dieu fait à ses élus, à ses enfants, c'est marcher avec eux. Personne ne comprend. La plus grande promesse que Dieu fait à ses élus, c'est marcher avec eux jusqu'à la fin du temps. Bien aimé, quelqu'un me dit non sur le paradis, mais écoutez, si je marche avec le roi, là où rentre le roi, je rentre aussi. Je suis honoré. Souvenez-vous quand Jésus est rentré à Jérusalem, Jésus avait pris une ânesse, vous vous souvenez de cette ânesse-là, et les gens mettaient des pannes sur le sol, et à terre, et qui avait touché les pannes? C'est l'ânesse. Bien aimé, tu es cette ânesse qui porte Jésus. Aimé, la promesse la plus exceptionnelle, cherche que le Seigneur soit avec toi. Je me moque éperdument de ceux-là qui cherchent, bien aimé, la bénédiction au lieu de chercher les dieux des bénédictions. Bien aimé, la promesse. C'est ainsi qu'il encourage tous ceux qu'il a choisi, il a appelé, il dit, je serai avec toi. Et toi, prends quoi? Courage. Le courage, c'est ce qui doit te relever, bien aimé, même quand tu racontes les échecs. Les échecs, c'est une expérience que, bien aimé, que tu y as acquise. Bien aimé, en réalité, un enfant de Dieu n'échoue pas. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est une expérience que nous réceptionnons et que nous connaissions et que nous subissons et que nous conquérons dans nos vies, bien-aimés. Quand tu échoues, ce n'est bien-aimé, c'est que tu as reçu un examen. Quelqu'un me dit, quel examen? Parce que là, tu connais maintenant quelque chose que tu n'as jamais connu. Comment ça se passe? Et mes bien-aimés, il faut te relever quand même. Pierre dit quoi? Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Je pense que quelqu'un qui me suit ici dans cette émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, de l'intelligence et de la spiritualité, cette personne aujourd'hui pose la question, mais pasteur, bishop, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je dois encore recommencer. Certainement, oui, bien-aimé. Tu dois recommencer. Tu sais, bien-aimé, vaut mieux marcher. J'étais avec vous tout à l'heure des livres du Psaume chapitre 23 avant qu'on lise le dernier chapitre et nous allons retourner dans notre clip parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec ce petit morceau dans ce
enseignements, mais je vous réserve un grand morceau encore la prochaine fois. Quelle partie de Jésus qu'on mange aujourd'hui? Chacun peut me dire, bien-aimé, toi tu manges quelle partie de Jésus aujourd'hui? Oh, d'autres me disent, oh, quelqu'un peut me dire, toi tu manges la cuisse, toi tu manges quoi? Les bras, toi tu manges quoi? Bien-aimé, ici nous mangeons Jésus et nous mangeons tout. Bien-aimé, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il y a l'absence du bien, de la réussite, là où il y a que les échecs, là où il y a les malins, après avoir fui peut-être son fils Abachalom, David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort dans sa vie. Mais la meilleure des choses, David a dit quoi? Quand je marche, bien-aimé, quand je marche. Bien-aimé, le problème n'est pas s'arrêter. Le problème, il faut marcher. Le problème, je suis dans les difficultés. Est-ce que je dois croiser les bras? Je dois m'arrêter parce que j'ai échoué, parce que je n'ai pas réussi. Pasteur, parce que c'est la deuxième église, parce que c'est la première église, parce que les fidèles sont partis, parce qu'il n'y a personne avec toi, parce que ton mariage avait échoué, mon frère, et voilà pourquoi tu ne veux pas voyager. Non, David a dit, quand je marche, ce sont des vaillants, ce sont des gagnants, ce sont des victoriers, de personnes et qui avancent malgré les échecs et qui continuent à aller et qui comprennent qu'on a les échecs et rend l'homme et la personne très dynamique et très mature et très fort. Quelqu'un te dira, les échecs sont pour les cons, mais les échecs sont pour les travailleurs. Cela annonce même celui que tu appelles le con, mais au moins il a fait un mouvement. Bien aimé, vaut mieux avancer même à petits pas que d'être arrêté dans la vie. Je dis à quelqu'un qui s'est arrêté à quelque chose, vaut mieux avancer que d'être arrêté. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Que la lumière soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Vaut mieux avancer même à petits pas que d'être arrêté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 30. Nous ici, il y a la lecture et il y a les explications. Bien aimé, allons-y dans le livre de Deutéronome. Que le Seigneur vous bénisse. Deutéronome, chapitre 30. Chapitre 30, bien aimé, nous allons prendre le verset 9. Deutéronome 30, le verset 9. Nous sommes dans le verset 9. Le verset 9, la Bible dit, « L'Éternel ton Dieu te comblera des biens, en faisant prospérer toutes l'œuvre de tes mains. » Bien aimé, écoute, je ne suis pas encore dans mon sujet, là où je vais parler dans ces versets. Il dit quoi? Faisant prospérer quoi? Toutes l'œuvre de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Maintenant, la partie importante dans notre sujet arrive. Car l'Éternel le prendra de nouveau. Bien aimé, attends cela. J'annonce et je prophétise à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit quoi? L'Éternel prendra de nouveau quoi? Il prendra de nouveaux plaisirs. Les problèmes qui se passent ici, on dit que l'Éternel prendra un plaisir. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je dis à quelqu'un, l'Éternel prendra plaisir. Prendra de nouveaux plaisirs quoi? Prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Je dis à quelqu'un, et que l'Éternel prendra de nouveaux. Quand on dit de nouveaux, c'est qu'il y avait une autre fois. Et cette autre fois, bien aimé, il y a eu peut-être un plaisir, mais à un moment, tu as échoué, tu as perdu. Mais Dieu maintenant t'annonce et qu'il prendra encore de nouveau. Je dis à quelqu'un, à un couple qui traverse des moments difficiles, bien-aimé, tu me suis en ces moments, je te parle, toi qui avais l'intention de quitter, tu dis non, quel couple, et que ça c'est mon mari, c'est un diable, ma femme c'est une diablesse, je te dis que l'Éternel prendra encore de nouveau plaisir à votre bonheur dans ce couple. Je dis à un pasteur, un prophète, et qui est au bout de ses énergies et de ses forces et qui disent que non, je dois arrêter. Non, continue, parce que continuer c'est pour les hommes qui gagnent, continuer c'est pour les gens et que l'Éternel entend quelque part. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pendant qu'il avançait, or, quelque part, l'Éternel l'attendait. Je dis à quelqu'un, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend. Il y a une table déjà dressée pour toi. Dieu est en train de t'attendre. Mais si tu t'arrêtes à cause d'un échec que tu as connu dans la vie, bien-aimé, tu n'arriveras pas là où se trouve ta table. Tu sais, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a tellement de sons. Il y a des gens qui se moquent. Bien-aimé, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort à ce moment-ci. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit là. Et pendant qu'il me suit, il dit, ça c'est moi qu'on parle. Bien-aimé, c'est toi là. Oui, dis c'est moi. Oui, je sais que c'est toi. Et qui traverses ce moment, tu dis que non, je m'étais décidé de ne plus rien faire, bien-aimé. Je m'étais décidé de ne plus avancer. Je m'étais décidé de ne plus faire quelque chose. Même un pasteur qui me suis à cet instant. Bien aimé,
et tu sais, et c'est toi, dis c'est moi là, je dis c'est moi, marque que c'est toi, bien-aimé, je sais que tu es là, parce que tu ne crois plus, mais je t'informe que non, l'Éternel prendra de nouveau encore plaisir, quoi, à ton bonheur. Si une fois l'Éternel était heureux de te voir prospérer, si tu l'avais perdu, mais il y a un moment encore, il va renouveler son plaisir. Bien-aimé, je sens que l'Éternel renouvelle un plaisir pour tout le monde qui vient dans cette émission, que la lumière soit. Pour tout le monde qui rentre dans cette chaîne, quoi, et PVTV. Pour tout le monde, bien-aimé, et qui partage aussi mes émissions. L'Éternel veut prendre plaisir. Les bien-aimés, ce sont des gens qui ont peur de recommencer, qui deviennent des gens qui s'expliquent beaucoup. Un gagnant, un victorieux ne perd pas son temps aux explications. Ceux qui expliquent sa motivation, ce sont des actions, bien-aimé. Explique tes actions. Bien-aimé, justifie ton échec en te relevant. Justifie ton échec, non, c'était pas un échec, mais c'était une qualité que tu avais acquise pour devenir un homme fort. Bien-aimé, ceux qui ont peur d'échouer, ce sont des gens qui ne font rien. La meilleure méthode de ne pas échouer, bien-aimé, de ne rien quoi faire. Tu ne fais rien, tu n'échoueras pas. Mais ceux qui travaillent et ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent devenir grands, bien-aimé, attendez-vous au quoi? Aux échecs. Je te souligne, bien-aimé, je te signale, attends-toi aux échecs. Les échecs sont faits pour les gens qui veulent avancer. Bien-aimé, rappelle-toi quand tu étais enfant, quand tu apprenais à marcher. Un enfant qui apprend à marcher ne doit pas dire que non, je ne veux pas tomber. Bien-aimé, si cet enfant évite de tomber, cet enfant restera toujours assise sur, excusez-moi le terme, sur ses fesses et sans pourtant se relever. Dans la vie et tous ceux qui apprennent, même à petits pas, vaut mieux tenir quelque chose mais avancer. Je dis à quelqu'un, vaut mieux avoir un support quelque part, tenir quelque chose mais quoi, avancer. Savez-vous aussi quoi, Moïse en voulant sauver son peuple, Moïse avait échoué. Aïe, aïe, aïe. Parce que lorsque la nouvelle se répandit que Moïse a voulu tuer un Égyptien de la propre bouche de ses frères. Bien, vous savez, les gens qui ne font rien, ce sont des gens qui sont là simplement pour beaucoup parler. Moïse a tué un Égyptien et qui voulait faire du mal à qui? À son frère juif. Un jour, il trouva ses deux frères en train de se battre. Moïse a voulu quoi? Les dire que non, vous êtes des frères. Entre vous, vous ne pouvez pas faire cela. L'autre a dit, ah, tu veux nous tuer comme tu avais tué qui? L'Égyptien. Mais au moins, Moïse a fait quelque chose pour vous défendre, bien-aimé. Il y a des gens qui ne font rien et qui sont là simplement pour critiquer. Même dans les domaines politiques, même dans les domaines de la vie, même dans les domaines pertes-puissants du ministère, même dans les domaines tout-puissant et social. Bien aimé, nous vivons avec des gens qui sont là simplement pour critiquer. Des critiques quoi? Parce que les critiques ne sont pas mauvaises. Mais quel genre de critiques? Des critiques négatives simplement pour anéantir les autres. Ce sont des gens qui ne font rien. Bien aimé, faire rien, tu ne connaîtras pas d'échec. Quand tu entends quelqu'un dire que je n'ai pas encore échoué, dis-lui c'est normal parce que tu n'as encore rien fait aussi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Parce que tu n'as encore rien fait. Et ceux qui ont échoué sont des gens qui ont fait quelque chose. Je n'ai pas rencontré encore des problèmes de la vie. C'est normal. Parce que, bien-aimé, tu n'as jamais rencontré les problèmes de la vie. Tu ne rencontres pas parce que tu ne fréquentes pas les problèmes. Tu n'affrontes pas des réalités de la vie. Si tu affrontes des réalités de la vie, tu en rencontreras cela. Une fois, j'ai encore dit à un enfant, il me dit, pasteur, parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous allons retourner dans quelques minutes là, dans notre chanson. Bien-aimé, cette personne m'a dit, pasteur, waouh, moi, hein, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle. Je dis, oui, c'est normal, parce que tu ne sors pas. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je lui dis, je vais prouver ta fidélité. Quand tu t'aimes, tu commenceras à sortir aussi dehors, à partir dehors, à vivre aussi là où il y a des gens. Toi, tu passes la journée qui est à la maison, bien-aimé, et tu montes dans la voiture et tu retournes qu'à la maison. Tu travailles pas, c'est ton mari qui travaille. C'est en Afrique que je disais à cette sœur-là. J'ai dit non, mais tu ne racontes pas de belles, quoi, un bel homme dehors. Tu n'as jamais raconté un bel homme dehors. Tu n'as jamais raconté quelqu'un qui t'embête. Comment je pourrais dire que tu es fidèle? Bien-aimé, tu ne peux pas juger quelque chose. Et c'est voilà pourquoi je dis que non. Moi, j'aime bien les gens et qui ont échoué dans la vie et qui se sont relevés. Ce sont des personnes qui peuvent m'apporter un conseil et qui me donnera quoi? Une bonne quoi? Réputation. Bien-aimé, nous retournons. C'était simplement un bref enseignement et bien-aimé qu'on devait manger rapidement pour encourager quelqu'un qui avait perdu. Voilà pourquoi j'ai pas voulu toucher parce que je voulais parler sur les trois hommes, hein. Les trois hommes. Vous savez, quand je parle des choses comme ça, j'ai des critiques trop. Là, j'ai dit non, puisqu'on doit aussi écouter les clips, je
dis, parlons un peu de ça. Qui a peur quoi? D'échouer. Celui qui a peur d'échouer, c'est celui qui ne veut pas avancer. Tu dois savoir que ce monde attend de toi quelque chose, ta contribution. Tu croises les bras, c'est que bien aimé, tu es venu comme un arbre. Même Dieu n'aime pas les gens qui font rien. La Bible dit que tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté où? Dans le feu. Bien aimé, fais au moins quelque chose. Déplace-toi, même si tu tombes, au moins tu te déplaces. Bien aimé, quand quelqu'un tombe, cela montre que cette personne avait fait un pas. Oh wow, c'est cette personne-là avance. Wow, quand un enfant tombe, c'est que cet enfant cherche au moins à apprendre à marcher. C'est normal. Bien aimé, tu tombais parce que tu cherchais à marcher. Mais à un moment, tes pieds vont se solidifier, et se solidifier. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais qu'on retourne dans notre clip. Bien aimé, suis encore ces clips et de notre premier album. Bien aimé, il y a tellement de chansons que nous allons donner aussi aux gens dans le style quoi, de faire manger les gens, même dans les chansons là quoi. Le message du Seigneur. Notre type, le thème de cette chanson, Salakwa Ozonga. Nous demandons encore à l'antenne de nous faire retourner encore de nouveau ces grands plaisirs que l'Éternel prendra encore pour nous. Sala Ozonga. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Na koma boye pona yesuye na ngu makunu bila kuna koma mabe pe obetela ngaipe na ibisi mangu yusu uyuye pona bikae na ngu makunu bila kuna salina nalenge esengelo sepela si mane tango yokokola. Sale la zambi na yo papier na ipe na ibisi bango kusungi ya Yesu masia emanite soki azongi lelo yo na kusuka wapi emaniko nana. Yeah.
Olivier Koumoué, moi c'est ma gueule. Beba komi koluka ngai na kufanatika o umoi na yo le dile lile lile sala ozonga o Yesu. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Reste sur la bénédiction de Christ.